remercie et je remercie tout particulièrement Alain Jeanroy d'avoir eu la gentillesse de m'autoriser depuis mon Pays basque, quelque peu humide, mais ça c'est une tradition et de toute façon c'était nécessaire tant l'été y a été sec. Temps que vous allez m'accorder, je voudrais le passer à revenir un petit peu sur, d'une part, le Covid, sujet qui est bien ressorti d'ailleurs encore hier soir avec la conférence de presse de M. Véran, mais m'intéresser aussi aux conséquences que ceci a pu avoir sur un domaine dans lequel je circule quand même un petit peu, et qui est celui des marchés. Et là, en tant qu'économiste, revenir un peu quand même sur ce Covid. Vous rappelez simplement, Rappelez-moi. c'était début janvier, Pour l'avoir dans les oreilles. c'était le moment où nous faisions tous, les économistes, nos prévisions. J'entends des voix derrière. Ouais. C'était le moment où nous faisions tous nos prévisions. J'aurais la cruauté de vous rappeler que les prévisions du FMI en janvier dernier tablaient sur une croissance mondial de l'ordre de 3 à 3,3%, que nos grandes interrogations du moment étaient savoir si il y aurait Est-ce une que vous pouvez récession aux couper États-Unis votre vidéo parce et que on vous n'avez pas une pensait très bonne qu'on a connexion? Philippe? et Philippe, tu m'entends? pas. Nous demandions si la Philippe, croissance tu m'entends? chinoise ou au moins Philippe? si les produits agricoles jouaient d'ailleurs un rôle. Oui, je vous entends. Oui, est-ce que tu peux Vous voulez que couper je coupe ta ma caméra? vidéo? Oui, je t'entends. Est-ce que tu Oui, peux couper ta vous caméra? m'entendez? C'est fait. Oui, c'est fait. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Oui, Allô, allô? on vous entend, Philippe. Vous m'entendez? Oui, Donc je peux mais continuer quand sans la peut le caméra. plus faire. Oui, parfait. Comment? Parfait. Bon. Oui, j'en étais donc. Mais n'hésitez pas à me couper si ça passait mal et donc vous n'aurez pas l'image, mais au fond, ce n'est pas l'essentiel en la matière. Donc, nous en étions à dire que le monde avait vécu en ce début d'année des prévisions qui étaient relativement favorables. Voilà. Bon, et donc, les produits agricoles se trouvaient en première ligne d'un certain nombre de conflits, tant géopolitiques que commerciaux. C'était le cas, bien entendu, du soja, c'était le cas de la viande de porc, etc. Et je vous rappelle que juste avant le déclenchement du Covid, le 15 janvier, Chinois et Américains avait signé un accord dit de phase 1 dans lequel la Chine s'engageait à une augmentation tout à fait considérable, j'y reviendrai d'ailleurs, de ses importations de produits agricoles américains. Mais il y avait bien d'autres conflits, souvenez-vous, le Venezuela, l'Iran, etc. Au point que nous avions sous-titré le rapport Cyclope 2020, et ça je l'avais gardé. Il y a un petit personnage qui est intervenu, vous le savez, coronavirus, Covid-21, etc.
Personne n'en parlait encore. Les puissants et les riches du monde se retrouvèrent le 20 janvier à Davos. Personne n'en parlait. Ensuite, vous en connaissez l'itinéraire. Le 11 mars, l'OMS a parlé de pandémie. Et le 15 mars, ce fut le début du grand confinement. Aujourd'hui, quand on fait le bilan du Covid, nous sommes officiellement autour du million de morts. Je regardais ce matin, donc bilan au 24 septembre, les États-Unis sont à 201 000, le Brésil 138 000, l'Inde 91 000, le Mexique 60 000. Alors curieusement, la Chine n'est qu'à 4 000 et les chiffres réels sont beaucoup plus importants, comme vous pouvez l'imaginer. C'est probablement le même cas pour l'Iran qui n'est qu'à 25 000. On est probablement au-delà du million de morts. Mais ce qui est frappant, bien entendu, c'est que toute la planète a été touchée, directement ou indirectement. On a eu à un moment la moitié de la population mondiale qui était confinée, les frontières fermées, etc., et la planète qui s'est repliée sur elle-même. Alors, je voudrais rappeler, et à la fois je suis économiste et historien, que c'est loin d'être la pire des pandémies. Il y a des grands spécialistes des pandémies animales, je le sais parmi vous, mais si je prends simplement les pandémies humaines, je vous rappelle que la grippe espagnole de 1918-1920 à peu près, qui venait de Chine, passée par les États-Unis, a fait probablement entre 50 et 100 millions de morts. Là aussi, on ne savait pas compter exactement ce qu'il en était pour la Chine. Que la grippe asiatique que l'on a oubliée de la fin des années 50, 57, 58, vit à peu près entre 1,5 et 4 millions de morts. Donc, à l'aune des grandes pandémies, le Covid joue pour l'instant relativement petit jeu. Par contre, dans la mesure où ça a été la première pandémie suivie en temps réel par les chaînes d'information en continu, économique passant par la case politique a été très important. Vous savez qu'au troisième, les chiffres du deuxième trimestre de... Ouais. Tu as rallumé ta caméra. Je l'ai, ma caméra. Oui, mais il ne faut pas. Non. Mais je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas, ma caméra. Ah, parce que tu apparais à l'écran. Ah bon? Plus maintenant. Moi, je suis... Plus maintenant. Vas-y, continue. Voilà, donc ceci pour vous dire, mais ce sont des rappels quand même, qu'au deuxième trimestre de cette année, nous avons connu probablement le trimestre économique le pire que l'humanité ait connu depuis le printemps 1931. Et que ça a donné des chiffres en variation trimestrielle, se baladant entre moins 10 et moins 20 %, moins 10 % pour l'Allemagne, moins 20 % pour le Royaume-Uni, les États-Unis étant à moins 9,5, et seul, ah tiens, j'ai un de nos amis qui vient d'apparaître sur l'écran, et seul, seul la Chine était apparue en positif. C'est, alors si vous voulez d'ailleurs des choses amusantes en termes de références historiques, c'est le pire trimestre, donc depuis le premier trimestre 31 pour les États-Unis, le pire depuis la guerre civile en Espagne, le pire depuis la Seconde Guerre mondiale en Europe, et au Royaume-Uni, où ils ont des archives presque aussi anciennes que celles de l'Académie d'agriculture, ils estiment que c'est la pire situation que le Royaume ait connue depuis le Great Frost, le grand froid qui avait balayé l'Europe en 1709. Bon, je vous fais grâce. Les dernières prévisions sur l'économie mondiale avant le léger rebond et la deuxième vague que nous sommes en train de vivre, les dernières prévisions étaient de l'ordre de moins 4,1% pour la croissance mondiale en 2020. S'étageant entre moins 5 à moins 7 pour les États-Unis, moins 5 à moins 7 plutôt
pour moins 6, moins 8 pour les États-Unis, moins 9, moins 10 pour l'Europe. Et bon, on se demandait si la Chine serait positive ou non. Je vous fais grâce de tout ceci cette année. Une crise importante qui n'est pas directement liée au Covid, qui a été la crise énergétique. Et nous avons connu un contre-choc pétrolier que le Covid a amplifié, mais qui a été largement déclenché par l'irresponsabilité du jeune Mohamed bin Salman, le prince héritier saoudien. La situation au moment où je vous parle est celle de quelques signes de reprise, c'est évident, d'un léger optimisme pour le troisième trimestre et d'un renouveau, par contre, de toutes les tensions géopolitiques que pendant 55 jours on avait un peu mis sous le boisseau, et tensions géopolitiques qui ont été pour lesquelles le monde agricole se retrouve encore très largement en première ligne. Voilà. Alors voilà un petit peu ce que je voulais dire en introduction, sachant que ce qui me frappe quand même de cette crise de 2020, c'est la crise économique la plus forte que le monde ait connue depuis la crise de 1929. Et le modeste historien que je suis pense qu'effectivement, cette crise va marquer un tournant majeur dans l'histoire économique, dans l'histoire des politiques économiques aussi. Et j'ai tendance à mettre ce que nous vivons aujourd'hui au même niveau que la crise de 1929 et que la crise des années 70. Je pourrais développer ça si cela vous intéresse, mais il y a un parallèle tout à fait évident pour les gens de ma génération, nous sommes nombreux à appartenir à la dite génération, entre la crise des années 70 et cette crise de 2020. Alors, venons-en au sujet qui vous intéresse le plus directement. Quelle lecture agricole et alimentaire peut-on en faire? Première remarque, l'impact direct du Covid sur l'agriculture et sur les marchés agricoles a été relativement faible. Avant le Covid, quelle était la situation? Nous avions une conjoncture agricole mondiale relativement médiocre, alors en termes de prix, je veux dire bien entendu, lié au fait que nous avions une succession, ces 3-4 dernières années, d'excellentes récoltes à l'échelle de la planète. Et moi j'ai un indicateur qui vaut ce qu'il vaut, c'est chaque année, à peu près en cette saison, on commence, et les climatologues commencent à dire, vous savez, cette année, on pourrait peut-être avoir le Niño, on pourrait peut-être avoir la Niña, etc. Ça fait 3-4 ans que, de ce point de vue-là, on n'avait rien à se mettre sous la dent. Et sur l'année 2020, oui. Sur l'année 2020-2021, la production mondiale de grains va être encore de l'ordre de 3,3 milliards de tonnes, ce qui n'est pas un chiffre, c'est pas le record que l'on retrouve en 2018-2019, on en est très proche. Et je rappelle que quand j'ai démarré mes sinistres activités, dans les années 70, le monde produisait péniblement 1,5 milliard de tonnes de grains. Quand je dis grains, je rajoute céréales et oléagineux. On avait donc d'excellentes récoltes. On n'avait pas vraiment de menaces majeures, malgré quelques incendies en Australie, souvenez-vous. On avait, je vous l'ai dit, de très fortes tensions géopolitiques avec les produits agricoles au premier plan. Et je dirais que
le gros de l'actualité, souvenez-vous, en janvier dernier, c'était quand même la peste porcine africaine en Chine, ses conséquences, ce qui avait quand même des conséquences tout à fait heureuses sur le prix du porc, sur le marché de Plérin qui nous est cher. Pendant le Covid, quels ont été un petit peu l'impact du Covid sur l'agriculture? Bah, il y a eu sur l'agriculture et la production alimentaire, il y a eu incontestablement un effet qui a été un problème de main-d'œuvre. Main-d'œuvre dans toutes les productions à forte intensité en termes de main-d'œuvre. Je pense aux fruits et légumes, je pense c'est une production, d'ailleurs, ça a été tout, c'est encore un problème, l'huile de palme, et vous savez qu'une bonne partie de la production d'huile de palme en Malaisie est le fait d'une population immigrée en provenance du Bangladesh et d'Indonésie. Les flux de population ayant été interdits par le Covid, les grandes plantations malaisiennes ont été obligées de recourir à une main-d'œuvre issue des prisons et des pénitenciers. Je vous le signale aussi, une très forte baisse de la production de la pêche. Là aussi, l'impact du Covid qui a limité les sorties des navires. On a eu aussi des conséquences du Covid sur les activités de première transformation. Je pense notamment aux abattoirs et même à certaines industries laitières. On a eu aussi des conséquences, là je change presque de casquette, parce que vous savez que je suis aussi président de l'Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires, on a eu des modifications des comportements alimentaires et des modifications aussi des modes de distribution. Ça paraît idiot, mais la part du steak haché dans la valorisation d'une carcasse de viande bovine est passée de 50 à 75% à peu près. On a consommé moins de produits laitiers frais, ce qui veut dire que le lait qui était quand même produit, il a été plus transformé en beurre et poudre de lait, et on en trouvera des conséquences sur les marchés. Enfin, il est évident que on a moins consommé de produits festifs, de vin, de champagne, mais aussi par exemple de fruits secs. Le prix des amandes s'est effondré du fait de la baisse de la consommation, ainsi d'ailleurs que d'une excellente récolte en Californie. Autre conséquence, peut-être plus importante, puisque finalement la demande alimentaire en elle-même, elle n'a pas beaucoup baissé. Il faut quand même manger d'une manière ou d'une autre, même si on a mangé un peu différemment. Par contre, on a vu une baisse très forte de la demande industrielle. Et ceci a touché directement les matières premières agricoles, les marchés de la laine, du coton, des cuirs. L'un des conséquences pour la filière viande bovine a été l'effondrement de la demande du cuir, notamment du fait de la fermeture des tanneries en Italie. Dans un genre totalement différent, ça a été une baisse très forte de l'activité de l'horticulture. Au Kenya, 70% des roses qui ne pouvaient être expédiées vers les Pays-Bas ont dû être détruites. Enfin, dernier impact, direct lui aussi, lié moins au Covid qu'à la crise pétrolière. Je vous rappelle que le marché du pétrole démarre l'année aux alentours de $60 le baril, que le 21 avril, de manière un peu spectaculaire et anecdotique, on va pendant quelques heures terminer en territoire négatif. Le vrai prix réel du Brent sera quand même tombé ce jour-là à $16. Depuis, on est remonté dans la zone des $40 au prix d'un serrage de vis extrêmement strict de la part des pays producteurs. Cette chute des prix du pétrole, et on pourrait rajouter d'ailleurs la chute aussi des prix du gaz naturel, a eu des conséquences sur toutes les productions que Alain Jeanroy connaît bien, qui peuvent être transformées en biocarburants. Je pense notamment, bien entendu,
à l'huile de palme et aux oléagineux au sens large, au sucre dans la mesure où on a moins transformé de canne à sucre en éthanol au Brésil, on a fait plus de sucre, et au maïs, du fait là aussi des problèmes de transformation et de production d'éthanol à partir de maïs aux États-Unis. Voilà un petit peu, mais les impacts directs au fond auront été relativement limités. Et il faut appeler un chat un chat, l'agriculture n'a pas été un secteur particulièrement touché directement par le Covid, ni même d'ailleurs les échanges internationaux. Le résultat, ça a été quand même un résultat un peu paradoxal. Alors moi, ce qui m'a beaucoup frappé de mon petit observatoire, de mon confinement basque au mois de mars-avril, c'est que dans un premier temps, tout le monde a fait une comparaison quelque peu fallacieuse entre la crise de 2020 et de 2008, et du coup, tout le monde a commencé à dire « mais nous allons avoir une crise alimentaire comme en 2008 ». Et donc, il y a eu vraiment une crainte de pénurie, il y a eu des peurs de manquer. Et c'est vrai, quelque part, que de la même manière que les ménages se sont rués sur leur linéaire, et vous avez tous eu des photos de linéaires qui étaient vides, les gens se ruaient sur le beurre, sur la farine, sur les nouilles, etc. Et on a eu la même chose chez un certain nombre de pays importateurs, de pays qui ont cherché à accélérer leurs importations, notamment tous les pays musulmans, donc le Moyen-Orient essentiellement, qui, souvenez-vous, le Ramadan se passait aussi sur la deuxième période du confinement, et donc il était important de ne pas avoir, en ces temps d'émeutes urbaines, de ne pas avoir de problème d'approvisionnement. Le résultat, c'est vrai qu'il y a eu un peu une sorte de crainte de pénurie de la part de pays importateurs et quelques pays exportateurs qui ont agité ou même qui ont réalisé d'ailleurs des limitations à l'exportation. Ça a été le cas de la Russie, par exemple, qui au mois d'avril a annoncé « bon ben voilà, ça y est, nous avons exporté tout ce que nous pouvions exporter, le reste nous le gardons pour assurer la jointure et ne pas avoir de problème de pénurie chez nous ». Ça a été le cas du Vietnam pour le riz, ça a été le cas de la Thaïlande pour le riz, et puis on a eu un certain nombre de pays qui ont souffert du fait du confinement, de problèmes logistiques. L'Inde, par exemple, a dû se retirer, l'Inde est un exportateur de riz, l'Inde a dû se retirer du marché parce que les exportateurs n'arrivaient pas à maîtriser les circuits logistiques à l'intérieur de l'Inde. Il en a été de même, par exemple, pour les exportations de thé en provenance d'Afrique. On avait moins de navires qui faisaient escale à Mombasa, etc., pour sortir le thé. Je tiens à vous signaler que ceci n'a pas empêché la France de réaliser une de ses plus belles années d'exportation. Et donc, malgré le confinement, la logistique a fonctionné et on a pu sortir des tonnages de blé extrêmement importants à partir de Rouen. Alors, crainte de pénurie, pas vraiment de pénurie, et le résultat, une baisse des prix. Une baisse des prix à peu près général, qui va nous amener à des points minima, à des points bas, aux alentours des mois de mars et d'avril. Par exemple, c'est intéressant de voir que les trois produits directement corrélés au pétrole par le biais des biocarburants atteignent leur point le plus bas dans la semaine juste après l'épisode des prix négatifs, c'est-à-dire le 27 ou 28 avril. L'huile de palme est à moins 36% par rapport aux cotations du 1er janvier, le sucre est à moins 30%, le maïs est à moins 24%, là le lien direct est avec le pétrole. Les produits qui ont subi de manière directe la baisse de la demande industrielle, le coton, moins 24%,
la laine, moins 30%, le caoutchouc, moins 28%. Donc là, le lien, c'est la baisse de la demande industrielle. Excusez-moi, je n'avais pas coupé mon téléphone. Donc, hop, ce que je fais. Là, la baisse de la demande industrielle est totalement évidente. Par contre, alors, baisse aussi, par exemple, du prix du beurre au niveau européen, calculé en euros, les autres prix que je vous ai donnés étaient en dollars, baisse de moins 26% donc pour le beurre, en faisant un don de la production de beurre lié au fait que la valorisation du lait directement son marché est largement resté stable. Tension sur le blé dur, de mauvaises récoltes et de problèmes de qualité tant en France qu'au Canada. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Je n'ai aucun retour. Attends, voilà, c'est parfait, il n'y a pas de problème. Bon, ok. Non, parce que comme j'avais l'impression, je... Non, si. T'as coupé ton micro, Philippe. Philippe, on n'entend plus. Non, mais il a coupé le micro. Mais il a coupé son téléphone. Voilà. Voilà, vous m'entendez? Voilà, ça y est, vas-y maintenant. Bon, ok, excusez-moi, j'ai du tout. Voilà. Écoute, Philippe, là, on ne t'entend plus de nouveau. Le micro est coupé. Son micro est coupé. Ton micro est coupé. Et c'est l'animateur. Vous m'entendez, là? Oui, là, je vous entends. Ben, il paraît que c'est l'animateur qui m'a désactivé. Ben, c'est incroyable, ça. Voilà. Voilà. Non, la censure à l'Académie d'agriculture devient dramatique. Bon, je ne reviens pas là-dessus. Bon, donc, l'été a été marqué par une reprise incontestable d'un certain nombre de marchés. Et bon, et ça, c'est valable pour l'ensemble des matières premières. D'ailleurs, en parallèle avec les marchés boursiers ont connu une embellie, et même au niveau mondial, pour revenir à des niveaux supérieurs à ceux que l'on avait connus avant le Covid. Sur les produits agricoles, qu'est-ce qui s'est passé? On a eu d'abord un phénomène majeur qui est la reprise des achats chinois. La Chine est revenue sur les marchés, et ça de manière très importante, et notamment sur les marchés américains. Je vous rappelle qu'ils avaient pris des engagements le 15 janvier. Ils auraient dû normalement, sur l'année 2020, importer pour 38 milliards de dollars de produits agricoles américains. À fin juillet, ils n'étaient qu'à 7 ou 8 milliards de dollars. Et donc, manifestement, ils cherchent à se rattraper. Certains se demandent même si ces achats chinois, qui se sont accélérés encore ces dernières semaines, ces jours-ci, si ces achats chinois ne seraient pas liés à une volonté des Chinois de soutenir la candidature de M. Trump. Bon, c'était ce que je lisais ce matin dans une analyse du marché du coton, où l'on s'étonnait que la Chine continue à acheter en grande quantité du coton américain, qui coûte plus cher que les cotons africains ou ouzbeks ou autres, mais ils se demandent d'ailleurs ce que la Chine veut faire de ce coton.
mais donc, sont un moyen indirect de soutenir M. Trump. Ça, je laisse l'interprétation. On est obligé de constater que la Chine, après s'être largement servie en soja au Brésil, actuellement continue des achats très importants sur les États-Unis, et c'est une des explications d'avoir, on voit le cours du soja à Chicago qui est le boisseau. Les Chinois ne se sont pas contentés d'acheter du soja, ils ont acheté aussi beaucoup de maïs, alors que l'année dernière, enfin sur la campagne de l'année dernière, ils avaient importé seulement 2 millions de tonnes de maïs américain, ils en sont à 9 millions de tonnes, ce qui commence à être important. Alors, en Chine, ce qu'il faut savoir, c'est que y a bien entendu des besoins de soja et de maïs, puisque la Chine est en train de reconstituer son cheptel porcin, ce qui sera probablement chose faite aux alentours de 2022, mais ils sont aussi à l'achat de viande de porc. Autrefois, vous savez, la Chine a importé les bas morceaux, les oreilles. Et alors là, à titre d'exemple, à la fin juillet, ils avaient déjà importé plus que ce qu'ils avaient importé sur l'ensemble de l'année 2019. Là aussi, le premier fournisseur, ce sont les États-Unis, devant les pays européens. Je vais revenir d'ailleurs sur un petit problème que rencontre à l'heure actuelle un des pays européens. La Chine, mais on retrouve d'ailleurs cette importance des achats chinois, je vous le signale, non seulement pour les produits agricoles, mais aussi pour les minerais et métaux et pour l'énergie. Jamais, par exemple, la Chine n'a acheté autant de pétrole, et en particulier aux États-Unis. Nous avons eu aussi, en cette rentrée, on a quand même quelques petits problèmes climatiques, ce qui vient quand même modifier la vision très excédentaire qu'on pouvait avoir et qui demeure quand même. Il y a eu des ouragans aux États-Unis et en Chine qui ont remis en cause quand même les perspectives. Je pense que les États-Unis pensaient pouvoir atteindre les 400 millions de tonnes de maïs. Ils ne les feront probablement pas cette année. Il y a eu des problèmes sur le maïs aussi en Chine. Et puis, depuis quelques jours, on reparle de sécheresse en Argentine et on reparle de la Niña. Ça fait assez longtemps qu'on n'en avait pas entendu parler. Troisième élément qui joue sur les marchés, c'est le renouveau des tensions géopolitiques, et cela à l'approche des élections américaines. Alors, les Chinois font le gros dos. Soutiennent-ils la candidature de Trump? C'est beaucoup, c'est difficile. Trump, qui lui-même avait menacé de ne plus importer de produits en coton chinois lorsque ce coton venait du Xinjiang pour défendre les Ouïghours. Nous avons des conflits entre les États-Unis et l'Europe, bien entendu, où on a troqué les homards du Maine contre la taxation des vins. Nous avons un conflit important et qui nous intéresse directement entre la Chine et l'Australie. Et la Chine ayant quasiment décidé de ne plus importer d'orge d'Australie, ce qui a ouvert des perspectives pour l'orge européenne en général et française en particulier, il risque aussi d'ailleurs de taxer les vins australiens. Taïwan, qui essaie de se rattacher autant que faire se peut aux États-Unis, autorise maintenant les importations de viande de porc américaine, qui était interdite jusque-là, ce qui est un prérequisite pour la signature d'un accord de libre-échange. Et puis, la semaine dernière, vous l'avez probablement remarqué, il y a eu un certain nombre de cas de peste porcine dans l'est de l'Allemagne, dans le Brandebourg, quelques sangliers qui auraient été abattus et qui avaient la peste porcine. Le résultat, au moment même où se tenait le sommet Chine-Europe et où l'Allemagne faisait preuve d'une certaine fermeté vis-à-vis de la Chine a décidé d'arrêter toutes ses importations de viande de porc
en provenance d'Allemagne, ce qui va poser d'ailleurs un gros problème en Chine, puisque l'Allemagne était le principal exportateur de travers de porc, pork ribs, parce que les États-Unis consomment leur travers de porc, donc ils en exportent relativement peu, et c'est l'Allemagne qui a été le principal fournisseur, et il paraît que le prix des travers de porc congelés est en train de... Incontestablement, en cette rentrée, paradoxalement, on pense toujours à des produits stratégiques comme le cobalt, le lithium, etc. L'un des produits stratégiques majeurs aujourd'hui, c'est de manière très prosaïque, la viande de porc. Alors, voilà un petit peu l'environnement dans lequel nous nous trouvons. J'en viens, et je m'excuse d'avoir été très long, à la situation des marchés au début de cet automne 2020. De manière globale, les marchés sont aujourd'hui globalement quand même, malgré les petits accidents climatiques dont je vous ai parlé, les marchés sont globalement excédentaires ou au mieux à l'équilibre. C'est le cas pour les céréales, c'est le cas pour les oléoprotéagineux. Je n'ai pas parlé, et Alain m'en excusera, je n'ai pas parlé du sucre qui malheureusement a subi encore des excédents qui étaient un peu remontés. On est à 13 cents la livre alors qu'on était passé en dessous de 10 cents au plus bas. Quand je parlais des prix le 28 avril, on était en dessous de 10 cents, on est remonté à 13 cents. Vous me direz, ça fait 30% de hausse, ça n'est quand même pas extraordinaire. Et nous avons devant nous la menace d'avoir d'une grosse production au Brésil et une très grosse production en Inde. J'ai oublié de vous dire, dans les événements de l'été, que nous avions eu une excellente mousson en Inde. Ceci avait provoqué une augmentation des emblavements de l'ordre de 14% sur toutes les productions possibles, dont la canne à sucre. L'Inde va probablement être, l'Inde, on ne le sait pas, est le deuxième producteur mondial, pas loin de 30 millions de tonnes, et un besoin de dégager au minimum 5 à 6 millions de tonnes, et l'Inde ne s'embête pas, elle subventionne à l'exportation. Donc malheureusement, sur un marché qui pourrait être cette année à peu près à l'équilibre, la situation n'est pas très brillante. Je ne vous ai pas parlé non plus du café ou du cacao, sur lesquels les marchés sont plutôt là aussi excédentaires. Donc globalement, des marchés excédentaires ou au mieux à l'équilibre, et donc des perspectives de prix qui objectivement ne sont pas extraordinaires. Par contre, je voudrais insister sur l'importance du facteur chinois avec probablement, et ça il faut qu'on s'y prépare, un mouvement de balancier. Certes, aujourd'hui, la Chine a besoin de viande de porc. Elle est en train quand même de reconstituer son cheptel. Et donc, on va avoir dans les mois courant 2021, début 2022, on verra les importations chinoises de viande de porc revenir à leur niveau probablement antérieur, ceci étant compensé par une augmentation. Mais la chute probable des importations chinoises de viande de porc, il va falloir que nous la préparions sur le marché européen, car j'ai peur, effectivement, que ceci se traduise par des baisses de prix à un moment même où soja et maïs resteraient demandés et donc relativement onéreux. On pourrait avoir un coup de sinu par le passé, mais il faut déjà s'y préparer. Je vous rappelle aussi que la Chine se trouve dans une position qui me rappelle, pour ceux d'entre vous qui en auraient la mémoire, la situation qui était celle de l'URSS dans les années 80. Dans les années 80, au lendemain de l'embargo céréalier raté du 4 janvier 80 des États-Unis, au moment où Brejnev avait mis ses troupes en Afghanistan, on peut dire que l'arme alimentaire
avait été détenu par l'URSS, qui était au fond le grand importateur de références solvables. C'était l'époque où on essayait de vendre sur la Russie, souvenez-vous de notre Jean-Baptiste Doumingue national. Aujourd'hui, le grand importateur agroalimentaire solvable, c'est la Chine. Et la Chine peut faire de cela, fait déjà de cela, une utilisation géopolitique. L'Australie fait des remarques sur ma gestion sanitaire. Je n'achèterai plus d'orge et même de vin en Australie. Et je vais peut-être regarder ce que disent les Français pour que je leur achète de l'orge. Je veux quand même plaire aux Américains, je leur achète du porc. Le Canada détient la fille directeur financière du fondateur de Huawei. Eh bien, curieusement, il y a des problèmes dans les exportations de colza, de canola canadien sur la Chine. Donc, il y a une utilisation de l'arme alimentaire par la Chine, et je vous rappellerai que l'année dernière, c'est un obscur vice-ministre de l'agriculture chinois qui a été élu à la tête de la FAO. Ce n'est pas gênant, la FAO fait souvent, en général, beaucoup plus partie du problème que de la solution en matière internationale de ce point de vue-là. Dernier point sur lequel je voudrais revenir, c'est le retour un peu partout, sauf en Europe, des politiques agricoles. Partout où cela est possible, nous avons déjà, enfin, sous Trump, il y a eu donc un nouveau Farm Bill, mais le monde agricole a largement profité des plans de relance. En avril, le monde agricole a touché 19 milliards de dollars et la semaine dernière, Donald Trump a annoncé 14 milliards supplémentaires, ceci s'ajoutant aux 40 milliards de dollars d'aide directe qui étaient prévus dans le Farm Bill et qui compensent les prix de 2019. Donc, la politique agricole américaine n'a jamais été aussi active en termes d'aide directe. J'ai parlé de l'Inde, ces aides à l'exportation de sucre, et l'Inde est un bon exemple d'un pays qui a à la fois une politique alimentaire en termes de soutien et de subventions pour les plus pauvres, donc de food stamps si vous voulez, et d'autre part de garantie des prix agricoles pour les fermiers. La Chine, bien entendu, avec ses politiques de stockage et des interventions directes, un des problèmes chinois aujourd'hui, c'est d'éviter la flambée des prix, notamment du porc, dans les villes. Et au fond, seule l'Europe persisterait dans sa volonté de démantèlement à peu près absolu de ce qui ne reste plus de la politique agricole commune que nous tous nous avions pu connaître. Voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire en cette journée. Le Covid, au fond, nous a préparé, je vous l'ai dit, pour moi, c'est une rupture assez profonde dans l'histoire économique qui va prendre du temps, mais qui va modifier, il me semble, l'équilibre entre l'État et le marché, qui est un grand classique dans les évolutions historiques. Dans notre domaine, ce qui m'inquiète un petit peu, c'est que ce monde d'après, qui doit régler tous ses problèmes sanitaires, il le ferait au prix d'une agriculture et d'une alimentation vue uniquement au travers d'un prisme verdâtre, c'est-à-dire sans OGM, sans phytosanitaire, sans glyphosate, bien sûr, l'idéal alimentaire étant un idéal végé, voire véganiste, le tout en circuit court, de manière à s'approvisionner chez le sympathique petit agriculteur vivant dans sa hutte et sur un sol en terre battue.
J'exagère un peu, mais il y a des moments où je trouve que cette perspective d'un monde bio, voire vegan, sans arbres morts, comme on le dit à Bordeaux, ni chasseurs, n'est pas exactement ce que j'imagine du monde d'après. Je voudrais simplement terminer, et là je vous assure, il est 11h54, je vais m'en arrêter, pour vous lire simplement les dernières lignes d'un livre qui a dû refaire un best-seller en 2020, c'est bien sûr La peste de Camus. Et Camus disait dans ses dernières lignes: le jour viendra où, pour le malheur et l'enseignement des hommes, la peste réveillera ses rats et les enverra mourir dans une cité heureuse. Et c'est l'enseignement des hommes, en apprendre les conséquences. Et à vous, je vais peut-être remettre l'image, et pour, si vous voulez, ah oui, c'est l'animateur qui l'a désactivé, mais je serai heureux, si ça marche, de prendre toutes les questions nécessaires. M'entendez-vous? Oui, nous t'entendons et on te remercie vivement parce qu'on a très bien entendu ton exposé. Donc, de ce côté-là, c'était clair. Je vais laisser donc le temps à certaines questions de pouvoir se poser et je poserai la première. Quand on t'entend, on a vraiment l'impression d'un immense... Voilà. Très vulgaire, mais un immense bordel dans les relations internationales et en particulier un lien de plus en plus fort entre les échanges mondiaux et d'autre part les aspects politiques. Et actuellement, on est donc en attente d'un nouveau directeur général à l'OMC et peut-être d'une directrice générale d'ailleurs. Est-ce que de ton sentiment, tu estimes que ça a toujours été comme ça depuis que le monde est monde, qu'on en a plus ou moins parlé et que là on en parle beaucoup, et est-ce qu'un nouveau une nouvelle directrice générale pourrait mettre un peu d'ordre dans ces relations internationales qui véritablement maintenant obéissent à la loi du plus fort? Alors là où tu as tout à fait raison, et j'aime bien ton expression, c'est le bordel intégral dans les relations internationales. Le rapport Cyclope 2020, excellente lecture que je ne saurais bien entendu que vous conseiller, j'avais mis en sous-titre « Le grand désordre du monde ». Ça, c'était avant le Covid. Après, on a modifié un petit peu, mais j'ai gardé « Le grand désordre du monde » parce que sur le bilan 2019, c'est incontestablement ce qui me frappait le plus. Et ce n'est pas uniquement Trump, ce qui est clair, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a aucun pilote dans l'avion, il n'y a aucune institution représentative. Alors, les institutions onusiennes, j'avais parlé de la FAO, et je regrette que Catherine Gélin-Lanel n'ait pas eu le poste, mais y serait-elle parvenue à redonner à la FAO un rôle effectif? C'était un sacré challenge en tout cas, mais les institutions onusiennes de toute façon sont d'une redoutable inefficacité. C'est vrai que, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a créé le G7 et le G20. Alors malchance cette année, le G7 était présidé par les États-Unis, le G20 par l'Arabie Saoudite. Donc on les a totalement oubliés, et à la différence de 2008, le G7 et le G20 n'ont absolument pas été effectifs. Mais Covid oblige. L'OMC était déjà en état de mort clinique, puisque les États-Unis, alors là, pour de très mauvaises raisons, il faut rappeler que les États-Unis sont les responsables de la création de l'OMC. Souvenez-vous, nous sommes en 2005 à Marrakech. C'est la fin de ce long, long épisode que nous avons tous connu de l'Uruguay Round. Et à ce moment-là, on transforme le secrétariat du GATT
en une organisation mondiale du commerce. Et on met en son cœur quelque chose qui a fonctionné, et d'ailleurs dont les États-Unis ont sacrément bien utilisé, qui était l'organisme de règlement des différends, l'ORD. Et l'organisme de règlement des différends va jouer un rôle tout à fait fondamental, puisque c'est à l'ORD que, par exemple, nous avons été condamnés sur l'affaire de la vache aux hormones, nous avons été condamnés sur la banane, on a été condamnés, souviens-toi Alain, sur le sucre, etc. Donc les États-Unis ont très bien utilisé ça, et nous avons gagné quelques cas aussi, mais finalement il y avait quand même un semblant de justice internationale qui se mettait en place, même si en termes de désarmement douanier, on était arrivé un peu au bout de l'exercice, on arrivait sur les sujets les plus épineux et on n'a pas pu aller tellement, tellement plus loin. Le cycle de Doha, je me suis trompé, hein, Marrakech, c'est 1995. Le cycle de Doha qui est lancé en 2001 ne sera probablement jamais terminé. Et ça, malgré tous les efforts d'un directeur général qui a été très bien, qui était Pascal Lamy. Ensuite, on a eu un directeur général, celui qui vient de sortir, Roberto Azevedo, dont les échos que j'ai n'étaient pas extraordinairement positifs. Ce qui est clair, c'est que la mécanique de l'ORD continue à fonctionner et les États-Unis ont décidé d'assécher l'ORD en refusant la nomination des juges doivent composer les panels lorsqu'il y a conflit et lorsque une plainte est présentée devant l'ORD. Depuis le mois de décembre, il n'y a plus qu'un seul juge actif. Et paradoxalement, le dernier grand jugement rendu par l'OMC, c'est le jugement qui condamnait Airbus. Sachant que normalement, il devait y avoir un autre jugement qui condamne qui condamne Boeing, qui est dans le pipeline, et le pipeline est arrêté. Donc l'OMC aujourd'hui est une coquille totalement vide. Il y a bagarre pour, enfin il y a élection pour la direction générale de l'OMC. Bon, les temps font qu'on privilégie une candidature féminine, que l'Afrique est notoirement sous-représentée dans les instances internationales, donc les deux candidates qui font la route en tête sont une Nigériane et une Kenyane, dont le manque d'expérience en la matière est total et dont le poids politique risque d'être très faible. Donc, je ne suis pas d'un optimisme délirant pour l'OMC, sachant que ces dernières années, la dynamique multilatérale s'était peu à peu réduite avec le développement de dynamiques bilatérales ou de zone à zone. Ça a été tout le développement des accords de libre-échange entre des zones ou entre des pays. Et les États-Unis préfèrent cela, bien entendu, puisque cela leur permet d'utiliser la diplomatie de la canonnière. C'est quand même beaucoup plus efficace que d'espérer une sorte d'équilibre multilatéral. Nous savons, alors, une des bonnes conséquences, alors de manière assez paradoxale, et c'est là où Trump a été mauvais, il a voulu balayer tout ce que, quand il est arrivé, tout ce qu'Obama avait fait, donc il a balayé un accord qui était prêt, mais qui n'avait pas réussi à faire passer au Congrès parce qu'il ne le maîtrisait pas, c'était l'accord de libre-échange du Pacifique, dont les États-Unis se sont retirés. Mais qui est, et c'est complètement idiot, puisque c'était un accord qui permettait de constituer un front dans le Pacifique face à la Chine. Il s'en est retiré. Moi, j'avoue que j'ai été très heureux de voir que les négociations d'un accord bilatéral entre États-Unis et Europe tombaient à l'eau. Et ça, je trouve que c'est une excellente chose, parce que l'Europe est très mauvaise dans les négociations internationales et que nous nous serions probablement
fait totalement entuber et l'agriculture en Europe. Nous avons actuellement un accord en négociation et sur lequel nous bloquons, alors pour de bonnes et d'hypocrites raisons. De bonnes raisons, c'est que c'est l'accord avec l'Amérique latine, avec le Mercosur, UE-Mercosur, sur lequel, une fois de plus, l'agriculture devait être la variable d'ajustement, ce qui était d'une absurdité totale. Alors là, on a de la chance parce que un peu d'hypocrisie sur le développement du soja en Amazonie permet de faire que, pour une fois, les intérêts agricoles et les intérêts... pour répondre, j'étais trop long à ta question, je ne vois pas à court terme d'amélioration notable, sachant, je voudrais vous le rappeler, que Trump a beaucoup démoli, et Trump, au moins, il est droit dans ses bottes, mais l'époque Obama n'a pas été tellement meilleure. Et on ne peut pas dire que les États-Unis aient extraordinairement joué le jeu de la concertation internationale, que ce soit du point de vue géopolitique ou commercial. Voilà. D'autres questions? Tout le monde est là? Oui, voilà. Oui, c'est moi qui dois parler. J'ai une question, parce qu'on n'a plus que quelques minutes, mais je vais essayer de faire prolonger un peu la réunion. Je ne sais pas si c'est possible ou si Philippe m'entend. Moi, je n'ai pas de problème. Oui, non, mais c'est un autre Philippe auquel je m'adressais. On a simplement une question. C'est qu'avez-vous voulu dire sur le rôle de la FAO? Parce que tu as été très méchant. Ah, oui, j'ai été très, très méchant. Les plus anciens, moi je me souviens de Michel Cepède me racontant les conférences, la célèbre conférence de Québec où a été fondée la FAO. Et à l'époque, souvenez-vous, les Européens rêvaient de faire que la FAO continue à exercer un rôle d'encadrement des marchés agricoles mondiaux. Les États-Unis n'en ont pas voulu, et c'est vrai que durant les années 50-60, les États-Unis ont joué un rôle tout à fait important. Au travers du loan rate, ils ont entretenu pratiquement un prix garanti minimum mondial. La FAO s'est concentrée à ce moment-là sur ces tâches beaucoup plus techniques et sur des travaux de développement, etc., sur lesquels je n'ai rien à dire. Par contre, ce qui m'a toujours frappé à la FAO, les quelques fois où j'ai fréquenté cette institution via Deleterre Medica Caracalla à Rome, c'est que elle s'est révélée, et elle continue, je trouve, à se révéler, relativement incapable de tout travaux, d'abord de suivi et d'anticipation sur les marchés. Au lendemain de la crise de 2008, on avait voulu doter la FA de suivi et d'alerte. Ça arrive en général. Les stats de la FAO sortent avec plusieurs mois de retard parce que c'est toute la mécanique des Nations Unies de ce point de vue-là. Et donc, malheureusement, quand je dis, c'est un peu méchant, que la FAO fait partie non pas de la solution mais du problème, je dirais que l'impact de la FAO sur les problèmes alimentaires de la planète est d'une faiblesse insigne. Je ne
porte pas ce jugement négatif. Une des plus belles structures de gestion de logistique alimentaire de la planète. Donc, le World Food Programme, le Programme Alimentaire Mondial, le PAM, est quelque chose de très efficient. La FAO, les quelques moments que j'ai pu y passer, y compris il n'y a pas si longtemps que ça, m'ont donné la même impression que vous avez à l'UNESCO ou à quelques autres, ou quand vous allez traîner sur la colline des Nations Unies à Genève, c'est-à-dire celle d'une bureaucratisation intense avec des gens gentils, souvent compétents, mais aux prises avec une machine bureaucratique. Donc là, honnêtement, est-ce que vous n'aviez pas, par contre, à l'OMC vous avez d'ailleurs une structure qui s'appelle le Centre du commerce international CLUSED-GATT, enfin CLUSED-OMC maintenant, dont la directrice générale était l'actuelle ministre des Affaires étrangères d'Espagne, Arantxa Sánchez, qui aurait fait une très très bonne directrice générale de l'OMC, entre parenthèses. Écoute, merci de cette réponse, et puis je suis content que tu n'aies pas cité un exemple de bureaucratie, la Commission de Bruxelles, et que tu considères que la Commission de Bruxelles ne se range ni aux côtés de la FAO ni aux côtés de l'OMC. Non, mais la Commission de Bruxelles, la Commission de Bruxelles, elle a tous ses défauts, mais elle gère les choses quand même. Hein, à la limite, on pourrait presque se dire, elle a été quand même globalement efficace, et je fais partie des gens qui pensent que le bilan de la soixantaine d'années d'histoire de la politique agricole commune est un bilan largement positif. Oui, tout à fait, ça je partage également. Simplement, donc, ce que je note, effectivement, je suis content que tu aies parlé de cet organe de règlement des conflits, puisque là, véritablement, il est en panne. Des différents, l'ORD. Différents. L'ORD, organe... Des règlements des différents, c'est ça. Parce qu'il est en panne, c'est un point très important. Et effectivement, de la personnalité du futur directeur général de l'OMC dépendra peut-être une remise en route. Mais enfin, clairement, comme tu le dis, on est véritablement parti sur du bilatéralisme plutôt que du multilatéralisme. Non, ce qu'on peut imaginer quand même, c'est que si Biden est élu, sur ce point-là, les États-Unis lèveront leur blocage. On peut peut-être imaginer que on peut imaginer que les États-Unis feront un geste dans la mesure où ils y ont même intérêt, puisque sur la longue période de l'histoire de l'ORD, les États-Unis ont en général beaucoup mieux su utiliser cette logique d'arbitrage qui est très anglo-saxonne que l'Union européenne. Regarde la manière dont on s'est fait rouler dans la farine sur les affaires sucrières ou le hors-quota, c'était un peu du dumping, y compris d'ailleurs sur les sucres des pays ACP. Oui. Alors simplement, tu n'as pas parlé des discussions en cours actuellement entre le Royaume-Uni et les États-Unis, qui d'ailleurs, parce qu'on sait que le Brexit est quand même quelque chose de difficile pour trouver un accord, et on sait qu'ils négocient en ce moment avec les États-Unis, et qu'apparemment, ce n'est pas plus facile avec les États-Unis. Je ne sais pas si tu as un point à faire là-dessus. Oui, alors là, ce qui est clair, c'est que de toute manière, un accord de libre-échange, c'est quelque chose qui est complexe, qui est long à négocier. Et même si Trump a tendu la main à Boris Johnson, les délais ne pourront pas être techniquement respectés, parce que là aussi, il y a à Washington une bureaucratie qui garde quand même largement son pouvoir. Donc, l'idée de Johnson
je quitte, je claque la porte, il y aura un no deal, parce que c'est quand même ce qui nous menace, ce qui va avoir des conséquences non négligeables, chers amis, dans le domaine de la pêche. Hein, je pense que nous allons connaître une guerre du poisson assez intense dans les mois à venir. Mais l'idée de Johnson, je claque la porte et je me tourne vers les États-Unis, elle me paraît quand même un petit peu excessive, même si les Royaume-Uni vient de signer un accord de libre-échange avec le Japon. Mais ça a été probablement plus facile. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Je n'ai pas d'autres questions écrites. Que je peux voir. Est-ce que les gens qui, de notre côté, là, en présentiel, je n'ai pas de questions particulières des uns des autres. Est-ce que du côté des intervenants en visio, là, des quelques 20 personnes qui sont en visio, est-ce que vous avez une question à poser ? Je vous laisse la parole. Non ? Bon, mais écoute, Philippe, il me reste qu'à te remercier de ce tour d'horizon quand même de rentrer, on va dire, sur la situation quand même très particulière dans laquelle nous sommes. Encore une fois, tu nous as pas mal éclairé, même si on peut pas dire que ce soit l'optimisme qui soit véritablement notre raison d'être actuellement. Mais en tout cas, donc on prend bonne note de tout ce que tu nous as dit. Et un grand merci d'avoir consacré tout ce temps, parce que tu nous as fait quand même un exposé assez long. Et encore une fois, on a apprécié toutes tes prises de position et les données d'informations. Voilà, Philippe, on te rend au Pays Basque. Voilà, mais je rentre la semaine prochaine, parce qu'à Dauphine, je ne sais toujours pas si je vais être en présentiel ou en distanciel. Ah bon, écoute, bon courage. Ça m'a l'air compliqué. Voilà. Bon, je pense qu'on te rentrera à bientôt. Hein. Au revoir. Merci.